Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, nous revoilà encore pour un énième numéro de Web Press, magazine qui reçoit des journalistes, les chevaliers de la plume. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes, mesdames et messieurs, l'actualité oblige. Nous allons parler du dépôt de la requête en interprétation à la Cour constitutionnelle. Nous allons parler du dialogue, évidemment. Nous allons parler aussi un peu de nous-mêmes. Nous allons parler un peu de l'UNPC. Comme vous le savez, le tribunal de paix a donner son verdict, on ne discute pas, mais les sociétaires de l'UNPC ne sont pas d'accord. Eh bien, nous allons mettre à votre disposition la lettre ou un droit de réponse des sociétaires de l'UNPC. Mais nous n'allons pas débattre sur ça. Voilà, je suis avec Faye Nikombikai de Top Media. Bonjour Faye. Bonjour madame. Très heureuse de vous retrouver encore pour ce énième numéro. Merci. Christelle Vanga, journaliste indépendante. Bonjour Christelle. Bonjour Colette. Je l'avais dit la semaine passée, j'avais dit que Christelle allait revenir avec nous, donc c'est une femme. Et mon plateau est genré, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de femmes journalistes, vraiment. Et j'aimerais vraiment que ce plateau à chaque fois soit genré. Merci à toi vraiment Christelle d'avoir accepté cette invitation. Et je vais terminer par Jeff Caleb du journal télévisé APIC. Bonjour Jeff. Bonjour madame. Voilà, très heureuse d'être avec quelqu'un de l'APIC. C'est une agence qui vous informe, je crois, tous les jours avec son journal télévisé et une précision de taille. Tous les journalistes ici présents sont membres de Journalistes en Action. Et comme nous le disons, c'est notre devise, seuls les vrais journalistes sauveront le journalisme. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de la dépôt en interprétation des articles. Et le phare qui nous éclaire aujourd'hui nous parle mandat présidentiel, l'article 70, prisonnier de l'article 73, 75 et 76. Nous parlons avec la Constitution, nous allons le lire. Nous commençons par l'article 70 ou 70 selon les Français. L'article 70 nous dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » L'article 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Article 75. En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et l'article 76, la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le président de la République, par intérim, veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sous convocation de la Commission électorale nationale indépendante 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le président élu commence donc un nouveau mandat. Mais il y a aussi l'article 103, parce qu'ils ont déposé la requête, pas seulement par rapport au mandat du chef de l'État, les députés y sont allés aussi pour leur propre mandat. L'article 103, les députés nationaux est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Article 105. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Le mandat des sénateurs commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat. Voilà les articles un peu qui doivent être interprétés par la Cour constitutionnelle. C'est vrai que nous n'avons pas la compétence, mais nous avons quand même l'intelligence de débattre de ça. Faye Nikombikai, est-ce que les députés de la majorité présidentielle ont raison de demander l'interprétation de ces articles, et pourtant, à les lire, cela semble clair comme l'eau de roche. Bon, merci d'abord pour cette opportunité, madame. Je crois, dans un état normal, sérieux, on ne peut pas interdire à une personne d'initier. Il est
des droits reconnus à tout un chacun d'initier une action s'il trouve son importance. Mais ce qui doit nous intéresser ici beaucoup plus, c'est la quintessence de cette démarche. Moi, je pense, dans une démarche, il faut chercher à trouver des solutions là où il n'y a pas de solution. In specie, je crois que non, nous avons déjà la solution, mais on cherche à ouvrir une porte qui est déjà entrouverte. Cette constitution, elle est claire et elle ne prête pas à confusion dans la mesure où on commence par vous dire que le mandat est de 5 ans. Lorsqu'on dit que le mandat est de 5 ans et que le président doit, le nouveau président doit entrer en fonction à l'installation de nouveau président élu. Cela doit se faire. Alors, l'ancien président reste en fonction, jusqu'à l'installation. Il faut bien, à la fin de ce mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Madame, c'est là où se posent les problèmes. Là où on cherche à compliquer ou bien à semer une fois de plus le trouble, le doute, la confusion dans le chef de notre population. Ici, le problème est déjà résolu par la même disposition. Lorsqu'on dit que le président reste en fonction, le scrutin n'est pas convoqué à la fin du mandat. Le scrutin est convoqué avant la fin du mandat. 90 jours avant. C'est durant cette période-là que le président en fonction reste en attendant l'installation du nouveau président là dans le délai légal. Ça se fait dans les États. Malheureusement, ici, ça ne me surprend pas parce que nous ne sommes pas dans un État. Si vous êtes, par exemple, dans le pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, l'élection s'est fait généralement avant le 20 décembre. En novembre. Mais l'installation, le 20 janvier, chaque 20 janvier, c'est-à-dire, c'est chronométré, c'est millimétré, ça se fait dans le délai. Mais malheureusement, ici, comme on a toujours la volonté volontariste de perturber des tripatures, moi j'avais dit en son temps, si la majorité actuelle, ou bien si c'est Bidimbo, ont encore les velléités de briguer un nouveau mandat, il lui fallait qu'ils aillent tout droit au but. Moi, j'avais proposé en ce temps, quand même, j'étais incompris par la population. Je ne cesse de me répéter. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Le changement de la constitution, c'est constitutionnel. Mais malheureusement, est-ce cela qui prend la démocratie? C'est cela qui prend l'état des droits? Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, lorsqu'on parle du changement constitutionnel, parce que non, ce sont des démarches anticonstitutionnelles. J'avais donné en son temps un exemple. Vous savez, l'Écosse. L'Écosse a fait plus de 2 siècles sous la dépendance de la monarchie anglaise. Mais il y a eu un Premier ministre qui a eu son courage, il a initié une action, le référendum. Mais malheureusement, les Écossais n'ont pas donné de raison à cela. C'est ça la démocratie. Mais chez vous ici, on prend la démocratie, on parle l'état des droits, même celui qui parle l'état des droits, lorsque quelqu'un initie une démarche constitutionnelle, on se fait l'idée que non, il est anticonstitutionnel. J'ai périmé, il faut revoir tout ça. Bon. Comment ça va se passer? Cet article 70, ça ne sera pas respecté. C'est pour ça peut-être que certains députés ont dit que non, la Cour, interprétez-nous s'il n'y a pas élection dans les délais. Madame, je vous prends d'abord au mot, parce qu'au début vous avez dit que cet article était clair comme de l'eau de roche. Je vais appuyer cela pour dire que cet article est tellement clair qu'on n'a pas besoin de l'interpréter. C'est écrit en un français facile. Pas de ponctuation, pas de mots difficiles. Alors, je demande quelles sont les interprétations, pouvons-nous... Les réalités sur le terrain, Christelle, sont là. Nous vivons, nous savons que dans 90 jours, on ne peut pas appeler le corps électoral. Madame, il faut retourner en arrière. La majorité a essayé depuis très longtemps de peaufiner des stratégies pour voir comment est-ce que le président Kabila peut rester encore au pouvoir. Ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils se sont accrochés à ce dialogue. Et ce dialogue durant lequel ils vont brandir l'aspect que la CENI n'a pas le moyen financier, n'a pas le moyen technique d'organiser les élections. Et ils vont se situer surtout sur l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président, comme vous venez de le dire, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Madame, vous savez, la Constitution est un tout. C'est comme la Bible. On ne peut pas lire la Constitution comme si on lisait un magazine. Non. Il faut lire les dispositions après dispositions, articles qui se complètent pour enfin tirer une philosophie ou une idée générale des lois
comme elle s'exprime. Donc moi, en tant que communicologue, si on me présente cet article, notamment 70, je dirais qu'elle a deux parties. La première partie, elle parle de l'élection du président dans le délai constitutionnel. Et la deuxième partie, elle parle bien sûr de l'installation du nouveau président. Mais si ce qui m'étonne, c'est qui m'étonne dans le délai constitutionnel. Voilà, voilà. C'est clair, ça ne se fera pas voilà. dans le délai constitutionnel. Ce qui m'étonne, c'est que les membres de la majorité refusent. Ils ne parlent même pas de la première partie, mais ils parlent de la deuxième partie dans un même article. Ça, c'est honteux. Cet article veut dire quoi? Tout simplement que la fin du dernier mandat de Joseph Kabila doit coïncider avec l'installation, donc l'élection du nouveau président. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations. Mais ça ne se fera pas dans les délais constitutionnels. On doit maintenant projeter, on doit réfléchir, on doit savoir comment passer cette étape-là sans quoi que ça. Mais madame, ma crainte dans tout ça, c'est que ces membres de la majorité, les députés, les ministres, tout ça, président de l'Assemblée nationale, ils vivaient avec cet article depuis très longtemps. C'est pas la première fois qu'ils voient ça, mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Donc, nous considérons que cette constitution, on veut la tailler selon les mesures de certains, ce qui est démocraticide. À mon avis, on est en train de tuer la démocratie. C'est vraiment pénible pour un état de droit. Un régime qui s'est vanté d'avoir fait des prouesses en démocratie, d'avoir fait des prouesses en droits humains, en droits de l'homme, qui, à la fin de leur mandat, puisse jeter ses bébés avec l'eau du bain. En tout cas, madame, c'est décevant. C'est décevant de la part de la population congolaise, de la part de la majorité qui est en train, petit à petit, de présenter les signes de la dictature de Mobutu. Je crains qu'on retourne à la Deuxième République, ce qui est vraiment décevant. On a parlé des États-Unis ici, madame. Pouvons-nous dire, il y a même certains politiques qui sont en train de dire que la Constitution a prévu les glissements, madame. Ça n'a pas de sens. Donc, le 10 jours qu'on attend pour l'investiture du président, c'est un glissement, si on doit comprendre comme cela, parce que les États-Unis, c'est novembre, en janvier. Donc, pendant ce temps-là, le président Clinton avait glissé jusqu'à ce qu'il donne la main à Bush. Si nous devons comprendre, c'est comme ça. Alors là, c'est vraiment malheureux. Dans tout ça, c'est Jacques Chirac qui a raison quand il disait que la démocratie est un luxe pour les Africains. Je vais même le compléter pour lui dire qu'il n'y aura pas de démocratie, en effet, en Afrique. Parce que les plus forts prennent toujours en otage les faibles. Quand j'ai dit les plus forts, je vais dire par là les plus riches. Mais voyons voir la Cour constitutionnelle. Il faut encore se poser la question, est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas un bras séculier de la majorité? Parce qu'il y a certains membres de la Cour constitutionnelle que l'on voit qui ne se gênent pas de mettre l'écharpe du peu perdu autour du cou. Est-ce qu'on peut tirer bon compte de cette Cour? Les élections ne se feront pas qu'à l'aide dans les délais constitutionnels. Les députés se posent la question aussi pour eux. Qu'est-ce qui va advenir d'eux? Vont-ils glisser comme les sénateurs ou ces sénateurs vont nous taper encore un troisième mandat aussi calmement que possible? Madame, c'est de l'amalgame. À qui la faute? Moi, je suis sidéré, vexé et même abasourdi de constater avec amertume, sans fulgurant ni bordure de trame, que les choses ne sont pas passées de la manière que d'aucuns auraient souhaité qu'elles fussent. Les députés, soi-disant députés de la majorité présidentielle, puisqu'ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas raison de saisir la Cour constitutionnelle, parce que l'article 70 de la Constitution est clair et il est étayé par l'article 73. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation, puisque l'autre fois, j'ai suivi le ministre de la Communication dans Top Press qui déclarait dire comme faire, pince sans rire, que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président, ce qui est grave pour un ministre d'un pays comme la RDC. L'article 73 est clair. Le scrutin du président, l'élection, voilà, du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. C'est-à-dire, le président en place reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux présidents. Cela signifie qu'il y a déjà un président qui est élu, mais qui attend encore son investiture. Donc, les faucons de la majorité présidentielle n'ont pas raison de saisir la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est la honte pour un pays. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Nous ne vivons pas en l'air, nous vivons sur terre et nous avons nos propres réalités. Chers journalistes dépassionnants, les élections ne se tiendront pas, et je le répète, dans les délais constitutionnels. Fanny Kombikai, que doit-on faire? C'est peut-être la solution sans... Ils veulent trouver une solution paisible, sans quoi? Ça ne se tiendra pas, il faut être réaliste, il ne faut pas rêver, ça ne se tiendra pas. Malgré cet article qui est clair, moi je le dis comme l'eau de roche, mais les élections, le corps électoral ne sera pas appelé dans les 90 jours avant ça. Donc, on doit faire quoi? Doit-on tous glisser? On ne parle pas. C'est ça le problème. Madame,
Donc nous devons d'abord rappeler à notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2016. Et qu'à ce jour, il nous reste 239 jours pour la fin de cette mandature. Je dis bien 239 jours pour la fin de cette mandature. Ici, la question n'est pas déposée. Il n'y a pas eu élection. Si vous voulez nous ramener à cela, nous devons aussi nous poser la question. Pourquoi il n'y a pas eu élection dans le délai? C'est ça la question. Il n'y a pas d'argent, la Seigneur donne raison. Écoutez, madame, là vous me révoltez. Je n'ai pas, lorsque vous parlez de mon Congo, vous parlez qu'il n'y a pas l'argent. Écoutez, l'argent au Congo, il y a. Moi, je n'ai pas à vous révolter. Moi, je ne reflète que les arguments scientifiques et réels. Scientifique? C'est pas scientifique, madame. Il n'y a pas d'argent. Dans le temps où il n'y a pas l'argent, on vole 1 milliard de dollars américains et qu'il n'y a pas de sanctions, on laisse tomber. Dans quel état du monde, madame? Dans quel état du monde? Allez, par exemple, au marché de liberté. Est-ce qu'il y a une traçabilité pour les recettes provenant de ce marché-là? Depuis que ce marché-là existe, madame. Moi, je suis un homme de terrain. Je vis avec le pouvoir. On récolte les taxes tous les jours, donc on ne sait pas. Ça va où? Okay. Ça va où, madame? Allez, par exemple, comment on voit le document de l'État, madame? Vous savez que nous avons un pays où la TVA est la plus élevée au monde. Prenez par exemple le pays. Le ministre Bati a carrément jeté le pavé dans la mare. Prenez par exemple la troisième puissance économique mondiale. Je parle du pays du soleil levant. La TVA est fixée à 4%. Nous, c'est 16. Hein? 16%, madame. 16%. Je suis allé à l'hôpital du cinquantenaire. Là, on est l'hôpital, l'hôpital du peuple conçu par la population. Pour qu'on me fasse une opération chirurgicale des yeux, on y met aussi la TVA dans une opération chirurgicale. À l'hôpital du cinquantenaire, vous vous en doutez, demain, on fait une descente sur le lieu à mes frais. Écoutez, au Congo, posez un autre problème, je comprendrai. Mais quand on promet des moyens, c'est un faux problème. Je vous avais dit, non, il y a une volonté volontariste de ne pas organiser les élections. Mentez, il en restera quelque chose. On a pensé que les 5 ans étaient nombreux. Aujourd'hui, les 5 ans étaient nombreux. Aujourd'hui, nous en sommes presque à la fin. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? Nous sommes en présence de deux forces. Mais le comble est que la force qui pouvait jouer le contrepoids n'est pas sérieuse. Elle roule pour l'opposition. La commandante véreuse et dégoûtée opposition. Elle roule pour la majorité. Aujourd'hui, si vous prenez pas... Malheureusement, je risque d'entrer dans le deuxième sujet de notre débat. Mais le problème des élections... Mais les deux vont de pair. Vous pouvez y aller. Pour le dialogue. Donc, vous êtes sûr que l'opposition roule pour le pouvoir, c'est ça? Elle a toujours roulé. Et voilà aujourd'hui. Si vous faites une analyse profonde, sérieuse, vous comprendrez que la majorité et la commandante véreuse contradictoire opposition parlent le même langage, ils s'opposent aujourd'hui à un individu. À qui? À Moïse Katumbi. Analysez très bien les déclarations de ce dé-là. L'opposition est contre aujourd'hui Moïse. La majorité est contre Moïse Katumbi. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Congo. Le dialogue, par exemple. Je ne cesserai de me répéter. Sur votre plateau, j'avais été critiqué. On me disait que j'étais de la majorité. Est-ce que nous devons... Parce qu'en politique, ce qui compte, c'est le résultat et l'atteinte des objectifs. J'ai toujours dit que cette majorité, elle est trop maligne et trop intelligente. Mais les revendications qui ont été d'hier de l'opposition, le calendrier global, l'enrôlement des nouveaux majeurs, le scrutin des étrangers vivant à l'étranger. Madame, au Congo ici, je me rappelle, en 2006, que ce soit en 2011, aucun parti politique de l'opposition n'a su aligner les témoins dans tous les bureaux de vote de Kinshasa. Je ne parle pas du Congo. Mais il faut savoir aussi que l'opposition a un grand problème. S'il vous plaît. C'est finances, c'est l'argent. Donc vous allez répondre. Entre deux élections, madame, en Afrique, souvent, entre deux élections, je vous en prie. L'opposition n'a pas d'argent, n'a plus d'argent. Alors la majorité, comme dernière cartouche, elle arrive à la majorité de présenter de l'argent à l'opposition, et c'est là qui divise l'opposition. Aujourd'hui, on parle de Moïse Katumbi qui est aujourd'hui rejeté par ses pairs de l'opposition. Peut-être que ça sera encore là une mise en scène de la majorité. Non, ce n'est pas une mise en scène, madame. Je dois récupérer ma parole. C'est moi qui ai la parole. Oui, oui. Vous n'avez pas le monopole de la parole. C'est dans mes minutes. C'est dans le timing, même parti. C'est dans ces timings. Vous allez parler, Christelle. Ici, nous parlons... Il faut être conséquent dans ce que nous faisons.
Le problème de la majorité n'est pas de donner le pouvoir, de céder le pouvoir. En plus, c'est légitime. Mais lorsque l'opposition, qui donne l'impression de combattre la majorité, mais en réalité, les actes posés par cette majorité, opposition, ne semblent pas convaincre qu'ils sont à la recherche du pouvoir. Christelle Vanga, Edem Kodjo aujourd'hui a pris son avion. Il est parti premièrement à Bruxelles pour voir l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, mais il est aussi allé à Lubumbashi pour voir Moïse Katumbi. Est-ce que pour vous, Moïse Katumbi est aujourd'hui aussi un opposant qui pèse et qui doit être dans le dialogue? Sans lui, aujourd'hui, ce dialogue-là ne se tiendra pas. Madame, en effet... Pourtant, le fistige en l'injure du matin au soir. Non, madame, en effet, si l'on met la société civile à part, ce dialogue, politiquement, c'est triangulaire. Mm-hmm. C'est Joseph Kabila et sa majorité. Etienne Tshisekedi, en tant que garant, il raconte en lui seul l'histoire de l'opposition et ses alliés. Et Moïse Katumbi, le nouvel espoir de l'opposition congolaise. Il doit être là. Moïse n'est pas n'importe qui. Et la différence avec certains opposants, c'est que lui, il a l'argent. Non seulement il a l'argent, mais il a quand même été gouverneur pendant beaucoup d'années. Et il a été de la majorité. Le fait qu'il quitte la majorité pour aller de l'autre côté, ça suscitait en lui la sympathie de certains Congolais qui ne se retrouvaient plus dans la politique de la majorité, qui ont trouvé en lui le nouvel espoir, comme il appelle lui-même Moïse, délivre-nous, comme tu as délivré les enfants d'Israël. Moïse est important, mais seulement si on me posait la question maintenant, est-ce que Moïse est une élite? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est un bon président pour le Congo? Ça aussi, c'est mon avis. Je pense qu'un homme peut apprendre. C'est vrai qu'il a des qualités managériales. D'ailleurs, ça c'est un débat soulevé par Noël Tchani par rapport au président qui, universitaire au Congo. Il a dit depuis 1960, on n'a pas eu de président universitaire. Donc, c'est un peu à cause de ça que le pays... Être universitaire, ce n'est pas seulement ça, mais la soif d'apprendre et de porter les idéaux. Les autodidactes peuvent mieux gérer Bien sûr, évidemment. Si on met en soi les idéaux de tout un pays, je pense qu'il peut faire un bon président. Il faut partager aussi de le faire son leitmotiv, de dire « je veux foncer, c'est là que je veux ». Madame, ne vous en faites pas. La population congolaise a mûri. Hein. Ce n'est plus la population zaïroise, on s'entend, où Mobutu pouvait faire un coup d'État. Aujourd'hui, je deviens président de la République et le soir, nous tous, nous chantons, nous dansons, nous. Cette population a évolué mentalement comme aussi intellectuellement. Salam Maman Sidoukou, tous au dialogue, nous devons tous aller au dialogue. Pour vous, en tant qu'élite de mon pays, Christelle Vanga, ce dialogue sera la solution ultime pour sauver ce pays de là où on y va. On ne sait pas où on va, mais pour le sauver, on le tirer de là où on va. Là où on va, ça dépend de là, ce que vous voyez. Moi, je ne vois rien. Je vois un pays où les dirigeants ont refusé délibérément d'organiser des élections pendant qu'ils construisaient les immeubles intelligents avant, je ne sais pas. On achetait des avions, mais on dit pour les élections, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous qu'en démocratie, l'organisation des dialogues, des concertations, c'est un moyen de dissiper les malentendus. Mais oui, Ça, c'est un postulat. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que nous avons des gens qui veulent des choses, mais qui ne le disent pas en vérité. Nous avons un côté Joseph Kabila qui veut rester au pouvoir, mais qui ne le dit pas franchement. Et de l'autre côté, nous avons Étienne Tshisekedi qui pense que seulement sa présence au dialogue serait une façon tacite d'accompagner Joseph Kabila dans sa démarche. Il ne veut pas non plus venir. Donc on a des gens qui pensent à des choses, mais qui ne les disent pas. C'est qui crée une véritable tour de Babel autour de cette histoire. Voyons voir, mais je pense que le dialogue n'est pas une église. Même à l'église, on n'oblige pas les gens de venir. Ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir. À la fin, on verra qui avait raison, qui avait tort. Jeff Kaleb, est-ce que le pays est pris en otage par les hommes politiques? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la société civile avec Mme Cathy Kalanga se battent pour le quota de la société civile. Ils ont dit que la société civile pèse même que les partis politiques comme la majorité présidentielle, l'opposition. Edem Kodjo doit compter sur la société civile congolaise. Mais on se pose la question, nous le pauvre peuple là, est-ce qu'on ne nous prend pas en otage? Est-ce que tout ça ne nous passe pas au-dessus là? Les intérêts du peuple, on le met où? D'ailleurs, on dirige pour le peuple, pas pour nous, pas pour eux-mêmes. Oui, madame, j'aimerais que vous puissiez d'abord respecter le timing, comme c'est le cas avec les autres confrères.
Donc, avant de répondre à votre préoccupation, j'étais en train de dire que la démarche de, initiée par les soi-disant députés de la majorité présidentielle ne tient pas ils debout. Sont députés, ils n'ont ils pas sont été élus. Les fonctions des autres. Je respecte. Ils donc, sont élus. Ils sont je me répète. National. Voilà, les députés. Peut-être pas honorables, mais députés nationaux, ils le sont. Comme vous le voulez. Donc, cette démarche n'a pas sa raison d'être. Pourquoi en 2006 n'a-t-on pas initié une pétition pour solliciter l'interprétation de la Cour constitutionnelle? Pourquoi pas en 2011, seulement en 2016? Donc, le 19 décembre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le 19 décembre, nous, on attend un nouveau président. Mais bien, s'il n'y a pas élection... Ça ne se fera pas, Jeff, il ne faut pas rêver. Il faut trouver des... Je vous en prie, Christelle, vous allez parler. Mais on doit se mettre autour d'une table pour pallier à cette situation. Bon, vous ne voulez pas, il n'y aura pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Madame, en 2006, on n'a pas eu besoin d'un dialogue pour organiser les élections. En 2011, on n'a pas eu besoin d'un dialogue pour organiser... Mais la situation est différente, il faut être clair. La crise actuelle, c'est une crise artificielle créée par l'état de M. Kabila. Puisque vous parlez de... Non, la classe politique. La classe politique, pas seulement de M. Kabila, il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas concernés dans cette histoire. Puisque vous parlez de la société, vous parlez de la société civile, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, vous avez des gens comme Debi Takwira qui disent, si je ne suis pas au comité préparatoire, je vais faire appel, ma grand-mère va maudire les dialogues, je ne sais pas qu'est-ce que la grand-mère Debi Takwira représente, quoi dans ce pays. Donc, j'ai comme l'impression, demain, moi aussi, je peux faire appel à ma grand-mère si je ne suis pas intéressé par ce qui se passe dans notre pays. Je peux aussi faire appel à ma grand-mère de venir me dire une démarche initiée par l'un ou l'autre. Donc, ce sont des histoires biscornies et qui, en tout cas, c'est la honte pour un pays comme la RDC. Puisque vous avez parlé de M. Edem Kodjo, je pense qu'Edem Kodjo, c'est un touriste, il est venu faire du tourisme dans notre pays, je ne vois pas. Moïse Katoumbi ne représente rien sur le chirurgien national, c'est un opérateur économique, c'est M. Kabila qui a fait de Moïse Katoumbi ce qu'il est aujourd'hui, et c'est-à-dire si demain, moi aussi, ou un individu se révolte contre les camps présidentiels, Edem Kodjo ira aussi à Kassai, au Kassai voir cet individu pour discuter de ces situations. Il laisse les problèmes ici d'abord, il y a un problème de quotas réservés. À l'opposition, l'IDPS qui veut à ce que ces quotas... Ils ont démenti cette information. Pour les 12 voilà. Là, ils ont démenti. Hein. Ils ont dit que c'est pas... J'ai suivi M. Mavungu aussi, Top Congo. Il a dit que les 12 places, c'est pour l'IDPS. Et voilà, mais il y en a aussi, mais les propos de Bitakwira, c'est sur base de la déclaration faite par M. Mavungu, sur Top Congo, que M. Bitakwira a eu à faire cette déclaration. Donc, je pense qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ils veulent. Le 19 décembre, nous, on attend les élections. Par rapport aux résolutions, c'est vrai qu'il y aura des résolutions. Les résolutions sont par rapport aux concertations. Caleb me fait un petit. Ces résolutions-là, aujourd'hui, on en est où? Dans les oubliettes. Donc, ça passe aussi dans les oubliettes, comme la Conférence nationale souveraine qui a donné des belles résolutions, les concertations aussi, des belles résolutions. Mais on en est où dans tout ça? Madame. Ça sera toujours comme ça, on fait des dialogues, des concertations, et puis on oublie, on recommence. Lorsque les premiers sont mauvaises, le reste est gâché. Mais avant de vous donner la réponse à votre question, je vais d'abord, dans le timing même parti par vous, porter un correctif à ce que mon estimé vient de dire. Écoutez, aujourd'hui, il n'est pas reconnaître Moïse Katoumbi sur le chiffre. C'est vraiment... C'est de mauvaise foi. Selon vous. Non, s'il vous plaît, c'est de mauvaise foi. Vous savez pourquoi aujourd'hui, les opposants véreux et la majorité, tous se sont ligués contre lui? C'est parce qu'aujourd'hui, il a bouleversé tous les calculs de deux partis, de deux mouvances. Aujourd'hui, Moïse Katoumbi, pour gagner une élection, mon frère, c'est de la mer à boire. Sincèrement parlant, citez-moi un seul candidat dans la démodée, dégoûtante ancienne opposition. Parce que s'il y a élection, par exemple, dans les 90 jours, peut-il parcourir tous les Congos? Citez-moi un seul. Écoutez, madame. Écoutez, mon frère. Écoutez, mon frère, moi j'appelle ça, je commence à voir ça sous un aspect spirituel. En 2011, Tshisekedi a parcouru combien de provinces? En 2011, il y avait. Lui-même, dans les 30 jours imparti pour la campagne, 30 jours imparti pour la campagne, il est revenu au Congo après combien de jours? Il a été bloqué en Afrique. Oh là là, mon frère. Écoutez, mon frère, vous parlez à quelqu'un qui a déjà fait 24 ans dans la scène politique. Je connais très bien comment fonctionne l'UDPS. L'UDPS n'est là que pour troubler. L'UDPS n'est là que pour embrouiller. Écoutez, dans les 30 jours de la campagne, vous rentrez au pays après 2 semaines et que vous commencez à parcourir les provinces 1 heure, 2 heures. En 2011, il y avait 11 provinces. Aujourd'hui, nous en sommes à 26.
Hey, écoutez, il ne faut pas oublier que Tshisekedi avait été bloqué si pas Kindu à Butembo pour cause d'avion. Quand je signale aux téléspectateurs qu'on a affaire à un ex-combattant qui est là, un actuel combattant, donc il parle des choses de l'intérieur. Écoutez, la modestie n'exclut pas la vérité. Je vous en prie. Madame, s'il vous plaît, la question. Oui. Par rapport au primaire, vous parlez d'argent, c'est vrai, c'est une donne réelle. Mais Katumbi a suggéré qu'il fasse des primaires. Peut-être ça va désamorcer, il y aura un seul candidat, tous les moyens seront focalisés sur ces cinq candidats. Madame, du vivant de Tshisekedi, si c'est dit, il est carrément inimaginable qu'il puisse accepter qu'un autre, que lui, soit candidat président de l'opposition. Alors, il a travaillé pendant plus de 15 ans avec un régime et qui quitte Moïse a délivré les enfants d'Israël, mais ce n'est pas lui qui les a fait entrer dans la terre promise. Joël Kadel l'avait bien dit. Il peut commencer le combat, mais un autre peut le finir. Ça, Étienne Tshisekedi doit le mettre dans sa tête. Vous savez, Mandela, aujourd'hui, il est grand. Pourquoi? Mandela, il tuait les gens. Il allait mettre des mines. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. Et malheureusement, Étienne Tshisekedi, il n'a pas tué. Mais sa fin, le problème, c'est la fin. Mandela a beaucoup fait. Il a légué son combat. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi ne veut pas. L'usure du pouvoir dont nous parlons à la majorité, c'est la même chose à l'opposition. Étienne Tshisekedi, qui ne veut pas partir, qui ne veut pas avoir un autre que lui. Aujourd'hui, il y a la sénescence, la santé, que nous voulons ou non. On finit toujours par rechuter. Il y a des choses qu'on peut faire, on oublie à cause de la santé. Étienne Tshisekedi est dans l'incapacité physique de devenir président de la République. Ça, c'est vrai. Donc, selon vous, Jeff, soyons réalistes. Mais les propos ne sont pas étayés des faits probants. Je me demande si on est face à un chef spirituel qui est Simon Kimba Nkiangani, Tshisekedi, ou comment. C'est un homme. Vous l'avez vu la dernière fois, c'était quand même. Mais lorsque vous parlez de l'alternance politique, mais mon Dieu, on doit commencer l'alternance dans nos partis. On parle de démocratie, on n'est pas démocrate. Tshisekedi est dans l'incapacité de l'opposition. Quelle est la dernière fois que vous avez rencontré M. Étienne Tshisekedi? Il est où maintenant? Parce que même Moïse Katumbi, dont vous parlez, il est passé sur une chaîne internationale et il a déclaré, je cite, M. Étienne Tshisekedi, il se porte bien. Nous avons discuté avec lui pendant 2 heures et demie. Il marche seul et consort. Et maintenant, vous, qui, entre guillemets, vous, vous, le porte-parole de Moïse Katumbi. Non. Au Congo, vous n'aimez pas la vérité. La vérité, c'est mal. Écoutez, mon frère. À ce jour, il reste 239 jours. Concernant par là, parce que vous voulez que les choses soient aussi dans le délai. Il est où? Quand est-ce qu'il viendra préparer? Est-ce que lui de PS même est-il? C'est un parti politique. Il est émietté. Mais pourquoi on n'a pas organisé le dialogue? Si lui de PS ne représente rien, pourquoi le dialogue n'a pas Je ne sais pas. Vous savez, il ne faut pas se contenter d'avoir fait plus d'années dans l'opposition. L'opposition n'est pas une carrière. Et l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. L'objet des sciences politiques, c'est le pouvoir. Aussi longtemps que vous n'aurez pas le pouvoir en politique, vous avez échoué. Un pouvoir qui ne représente rien. Et le dynamisme politique. Hier, Madame Paulette, s'il vous plaît, hier, Jeune Afrique a écrit, Étienne Tshisekedi dit, le monsieur, non. Ça veut tout dire. C'est profond quand même. C'est profond. Pour un type qui a tout, qui a fait, qui se vante d'avoir tout fait, d'avoir, grâce à lui, il y a la démocratie au Congo, et qu'on lui qualifie... C'est dans ce jeu, il est toujours comme ça. Et c'est pas travaillé, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour le pays? Qui n'a pas travaillé? C'est qui n'a pas travaillé? C'est le pouvoir maintenant. Tu sais qu'il n'a pas travaillé avec Mobutu? Tu sais qu'il n'a pas travaillé avec Mobutu? Écoutez, tu sais qu'il n'a pas travaillé avec Mobutu? Tu sais qu'il était vice-président de l'Assemblée avec Mobutu? Ils ont organisé les élections dans le délai. Ils sont au pouvoir. Ils ont fait quoi pour le pays? Voilà. Pourquoi vous condamnez Étienne Tshisekedi? C'est lui qui n'a pas... Vous voulez qu'on parle de Moïse Katumbi? Vous voulez qu'on parle de Moïse Katumbi? Je ne suis pas son porte-parole. Mais lorsque les faits sont têtus, il est le seul gouverneur, avant de démissionner, d'avoir réhabilité la raison. C'est un opportuniste. En politique, ce qui compte, c'est le passé. Il ne sera jamais président de ce pays. Bon, ça, c'est vous qui le dites. À moins que vous soyez devin. Mais je ne pense pas que vous l'êtes. Écoutez, mon frère, les faits sont têtus. Vous pouvez vous arranger, mais il faut voir la vérité en face. Moïse Katumbi, je ne dis pas que Dieu a prévu qu'il soit président de la République. Mais à ce jour, il est le seul Congolais qui peut faire face à cette majorité et à l'ancienne accommodante opposition. À moins que vous vous arrangez comme vous avez l'habitude de vous arranger. Vous parlez de Étienne Tshisekedi. Bien sûr, il a fait sa lutte. Mais il faut reconnaître que l'histoire s'est dépassée. Parce qu'à ce jour, il reste 239 jours. Où est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il viendra préparer les élections?
Quand est-ce que ça ne peut pas les sociaux? Vous voulez encore, nous ne voulons pas des candidats qui, il y a élection, on dit qu'il y a fraude, sans porter, sans porter de preuves. Est-ce que Eden Kodjo a-t-il de chance? Parce qu'on dit que Eden Kodjo risque de faire vraiment un AVC en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a de chance de réunir ce En 2010, Eden Kodjo, lorsqu'il a quitté le pouvoir, lorsqu'il a arrêté avec la politique, on lui a posé la question pourquoi il a arrêté avec la politique. Au Togo, hein? Il a dit qu'il en avait marre de la politique politicienne et qu'il voulait ouvrir, il voulait s'orienter vers d'autres voies, notamment la jeunesse, le panafricanisme et la démocratie. Aujourd'hui, je pense que c'est un humain. C'est tout d'abord un humain. Déjà, il a des problèmes de santé. Il est convalescent. Il vient de soins en Europe. C'est quelqu'un qui s'est ouvert à vous. Il ne va pas inventer de choses. Il est là pour concilier les points de vue, pour harmoniser. Il semble inconciliable. Lorsqu'on va à un dialogue, on va pour faire des concessions. Ça veut dire, c'est que vous voulez, c'est que les autres veulent. On trouve le juste milieu pour que tout le monde soit satisfait. Peut-être pas content, mais satisfait. C'est le travail d'Edem Kodjo. C'est ce qu'il est venu faire. C'est un diplomate. Donc, il serait plausible aux politiciens, aux politiques congolaises de lui rendre la tâche un peu facile parce qu'il est venu pour vous aider. C'est ça sa mission. Parce qu'on voulait un facilitateur international. Madame, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. On doit trouver le juste milieu. L'opposition, notamment Étienne Tshisekedi, voulait un émissaire international. Les autres ne voulaient pas. Ils voulaient que ça soit à l'interne. On trouve le milieu. On prend un Africain. Un Africain, c'est ça. International, mais Africain. Prétexte. Voilà. D'autres prétextes maintenant qui viennent. Voilà. On va de prétexte en prétexte. C'est ça aussi le problème avec l'opposition. C'est qu'elle évolue. Elle évolue avec ses revendications. C'est-à-dire, quand on lui donne ça, il dit non, il fallait que ça soit comme ça. Maintenant, les Bitankouira et les autres qui demandaient le dialogue, on leur donne le dialogue, ils disent non, il faut aussi qu'ils soient là au comité préparatoire. Madame, table ronde, combien? Ils étaient à combien? Ils étaient à 5, mais ils ont décidé de l'indépendance du Congo. Est-ce que le nombre est un problème? Ce qui définit que l'opposition est vraiment hétérogène. Et si dans leur tête, ils ont un ennemi commun, ils ne devraient pas discuter de futilité que l'on voit là. Les autres, l'essentiel, le Congolais, c'est ça dans sa tête. Si moi, je ne suis pas là, rien ne marche. Mais il faut savoir que dans l'opposition, il y a aussi une hiérarchie. Une hiérarchie, voilà, une rivalité. C'est ça. Se demander, est-ce que tel de l'UDPS et moi, est-ce que nous valons la même chose? Est-ce que moi, je peux crier, les Congolais ne vont pas travailler? Est-ce que l'autre peut crier? Certains n'ont pas de partis politiques, ils ont des moziki. Ils ont leurs femmes, leurs enfants, c'est tout. Est-ce qu'au Congo, il y a des partis politiques? Oui. Est-ce qu'au Congo, il y a des partis politiques? Nous allons clôturer. Il nous reste quelques poussières de minutes, je crois, que nous allons parler un peu de l'UNPC. Comme vous le savez, j'ai dit que nous n'allons pas commenter sur ça, mais je vais vous lire quand même le droit de réponse parce que c'est WebPress. Et WebPress, c'est une émission consacrée aux journalistes. Voilà, les journalistes sociétaires de l'UNPC ont répondu, ils ont réagi quand même par rapport au verdict de l'UNPC. Monsieur le Président, nous, 45 journalistes sociétaires de l'UNPC, signataires de la plainte contre Monsieur Jean-Marie Kassamba, accusant par la présente réception de votre décision, numéro CDEP, /0029/2016, à laquelle nous attendions sans surprise et dont le contraire étonnerait plus d'un observateur, nous en prenons sportivement acte. Seulement, nous faisons des observations pertinentes y après. 1. Nous tenons à rappeler d'emblée, comme nous l'avons soutenu le jour de notre audience, que l'affaire devant la Commission nationale de discipline n'oppose pas Jean-Marie Kassamba à ses confrères que nous sommes, mais plutôt c'est une affaire qui oppose Jean-Marie Kassamba au texte qui régisse la profession. Si réconciliation à faire il y a, comme mentionné dans la décision, c'est entre lui et les textes régissant la corporation. Nous tenons donc à rappeler aussi que cette affaire était portée devant un tribunal des pairs, donc une juridiction des journalistes, statuant sur le respect de la déontologie et de l'éthique de notre profession. Elle n'était pas portée devant un tribunal ordinaire. Mais nous sommes superbement étonnés et surpris de constater que parmi les ampliateurs figurent les personnalités non concernées. Cela, à notre avis, n'est pas un fait du hasard. Nous notons par là que la Commission a violé le statut particulier qui la régit quant aux ampliateurs à qui adresser sa décision découlant d'un jugement. L'article 68 de ce statut particulier énumère clairement les personnes, les organes ou les institutions pouvant être mises en copie. C'est notamment le coupable ou l'accusé, le plaignant, le comité directeur de l'Union, la commission de la carte, le patronat, le ministre ayant l'information dans ses attributions, l'organisme chargé de la régulation dans les secteurs de la presse, l'OMEC et le procureur de la République du lieu où la faute avait été commise et ou constatée. Nulle part dans cette disposition, il est fait mention du ministre de la Justice, du procureur général de la République et de l'administrateur de l'ANR.
Par cette ampliation, nous concluons que la commission de discipline a cédé aux pressions politiques et s'est bien justifiée administrativement par sa correspondance. 2. Dans sa défense, lors de l'audience, l'accusé n'a pas nié que son émission Club 50 ait critiqué RFI, France 24 et Radio Okapi et traité des médias d'être à la solde des chancelleries occidentales pour déstabiliser la RDC. Il a tout simplement soutenu que ses propos découlaient des analyses des confrères invités dans cette émission. Pour la commission, Jean-Marie Kassamba ne devait pas tomber sous le coup de manque de solidarité que si et seulement si il était attaqué à un confrère ou à des confrères. Nous concluons que la commission instaure par là une jurisprudence. Tout journaliste peut critiquer, saper et s'en prendre dans son média aux entreprises des médias constituées de ses confrères et cela n'énervera nullement la déontologie. Dans sa défense lors de l'audience, l'accusé n'a pas nié la diffusion sur sa télévision du communiqué interdisant la publication des résultats de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, lesquels communiqués étaient assortis des menaces à l'endroit du média qui s'employerait. Mais la commission estime que cette interdiction relève des prérogatives de M. Jean-Marie Kassamba en tant que président provincial de l'Union. Elle évoque le littéra F de l'article 48 des statuts de l'UNPC qui stipule que le rôle du comité provincial de l'Union consiste à représenter et engager l'Union auprès des tiers en province. Nous l'avons soutenu à l'audience en disant qu'à moins que les Français aient tordu leur langue et continuent à le soutenir haut et fort, que représenter et engager l'Union auprès des tiers en province ne signifie nullement interdire aux médias la diffusion d'une information et menacer ces derniers. Le choix, la sélection et la diffusion de l'angle d'une information, avons-nous appris dans les écoles de journalisme, sont une prérogative de chaque rédaction. Celle-ci a sa ligne éditoriale qu'elle respecte tout en observant les lois du pays, la déontologie et l'éthique. Mais pince son rire. Pour soutenir et sauver Jean-Marie Kassamba, la commission parle du contexte culturel et historique des élections en Afrique, souvent sensible et délicate. Admettons que c'est dans le cadre prédictif, comme le prétend la commission, que M. Kassamba a agi ainsi. Mais lorsque 2 jours après ce communiqué, Télé 50 de l'accusé diffuse des fausses informations en boucle, informations d'ailleurs diffamatoires sur un candidat à cette élection présidentielle, le général Mokoko, la commission ne voit pas la crainte d'atteinte à l'ordre social et à l'ordre public d'un pays immédiatement voisin. Comment ne pas parler de la sauvegarde de ses intérêts privés, comme évoqué dans notre plainte face à la situation à Brazzaville. Admettons également que dans le cadre prédictif que ce communiqué a été diffusé, à qui Jean-Marie Kassamba devrait-il s'adresser? Aux journalistes ou aux médias? Qui sont les sociétaires de l'UNPC? Les journalistes ou les entreprises de médias? Mais dans les cas évoqués, son communiqué s'adressait aux médias. Quel rôle jouerait alors le CESAC? Le ballon d'essai étant lancé, les médias de Kinshasa ne seraient-ils pas muselés lorsque viendraient nos propres élections? 4. Dans sa défense lors de l'audience, l'accusé n'a pas nié avoir participé à l'émission Parole aux auditeurs, sous la casquette de coordonnateur de la visibilité des programmes du gouvernement. Il s'est tout simplement défendu en disant qu'il n'y avait jamais eu un article juridique le nommant à ses postes et qu'il agit, selon ses propres termes, comme tout Congolais qui aime bien son pays. Et la commission estime par sa décision que le fait que, populairement, le confrère Jean-Marie Kassamba soit reconnu comme coordonnateur de la visibilité des programmes du gouvernement, même par ses propres déclarations, relève de son libre choix et sa détermination personnelle, impulsée par sa passion patriotique d'accompagner le gouvernement par son média en lui fournissant du service informel à la visibilité de ses actions. Et la commission de conclure, chose normale, que ferait quiconque d'autre, étant donné que le journalisme est un lieu de diverses approches éditoriales de par le monde. Nous regrettons que la commission parle de l'absence d'épreuves. Nous rappelons que lors de l'audience, nous avons déploré le fait qu'aucun membre du tribunal n'ait auditionné l'élément sonore, preuve d'accusation, alors que celui-ci avait été déposé à la commission une semaine avant l'audience. Qu'à cela ne tienne, la conclusion de la commission sur cette accusation suscite des questionnements. Si le journalisme, comme le reconnaît la commission, est l'une des diverses approches éditoriales de par le monde, mais alors pourquoi interdire aux autres médias la diffusion de l'info sur Brazzaville? La sélectivité et le choix de l'info dépend-elle de l'UNPC? B. Que deviendrait la circulaire signée par l'actuel président national de l'UNPC, Joseph Boukar Kasonga-Chilundé, à son temps SG de l'UNPC, enjoignant tous les journalistes qui sont attachés de presse, chargés de communication et autres porte-parole dans les ministères, des institutions publiques, de cesser de prester comme journalistes? C. La commission a-t-elle lu la grille de lecture faite par l'OMEC sur certains cas retenus comme délits de presse, gris contenu à la page 70 de la brochure intitulée « L'UNPC, les journalistes congolais, la déontologie professionnelle 2004-2011 ». Parlant du culte de personnalité comme délit de presse, elle dit « C'est le fait pour un journaliste de présenter, par ses écrits, ses paroles ou images, de manière passionnée, l'image de nom public, de manière à pousser l'opinion à adhérer à cette vision. » Ce culte de personnalité par l'accusé est bien prouvé dans l'élément sonore,
mise à la disposition de la Commission, mais qui a été malheureusement et superbement ignorée pour des raisons inavouées. Nous notons par sa prise de position que la Commission instaure une fois de plus une jurisprudence. Un journaliste peut, par sa détermination personnelle, impulsée par sa passion patriotique, accompagner quiconque par son média. En d'autres termes, il est permis aux journalistes d'être un propagandiste. Somme toute, nous prenons acte, comme nous l'avons mentionné au début, de la décision de la Commission, mais nous craignons seulement que toutes les jurisprudences qu'elle vient de créer n'impactent négativement dans l'avenir de la profession journalistique en République démocratique du Congo et consacrent la gloire de l'impunité. Nous n'allons pas débattre sur ça. Voilà, ce sont les sociétaires de l'UNPC qui ont réagi. Comme WebPress, c'est le plateau des journalistes. Voilà, nous avons lu pour vous les réactions de certains d'entre eux. Et je le dis, notre devise, seuls les vrais journalistes sauveront le journalisme. Nous nous retrouverons donc, mesdames et messieurs, la semaine prochaine avec notre magazine WebPress.